Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Tough Plus, Tio des courses 2 in 1. Nous voir avec Zut aujourd'hui pour analyse la deuxième journée de course et aussi pour Evin sur la semaine dernière, la première journée qui tiendra lieu au Champ de Mars. En studio avec moi, comme d'habitude, Nuna Santosh Randin et Patrice Esmiot. Santosh, bonsoir. Bonsoir Chahil, bonsoir Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir Chahil, bonsoir Santosh. Santosh, Patrice, un petit retour en arrière la semaine dernière, un quadruplé de l'écurie Dominique Zaki et le jockey Jamir Adiosen, doublé pour Ramsamy et Rawat aussi, la première du jeune Kavish Mohan, Master Kikuch, début de Victoria 3. Mais nous commençons avec le quadruplé, Santosh, de l'écurie Dominique Zaki, un très très bon début de saison. Tu l'avoues, excuse-moi pour l'avoir, la grippe est dontée, mais nous m'en sortons. Oui, la semaine dernière, un quadruplé de Dominique Zaki, les chevaux. Qui tu peux entraîner à petit gamin, Tinan Edge. Travaille l'OCI 100 mètres, mais tu fais bien faire manchon qui. Je vous fais à l'instar de Mansoua Rawat, Zaki, je domine la journée. Et Jamir, il prend sa chance avec deux mains. Il délivre. Zaki, il fait un bon travail à gamin, il amène son Mansoua dans la bonne condition. Mais, quand c'est la main adversaire qu'il y a ceci, c'est la main de chevaux qui partit fit. Vraiment, demande les courses, ou combien de chevaux t'es l'offre, mauvais trouvé, et il a donné les courses. Trois couches et l'œuf. Ou tout du nippel d'un contact à Winter Chill. Dans chaque les courses, au moins des couches, termine bien bien loin d'hier. La 3. Là, bon. Ça, mon corps, le fitness, c'est un problème. Mais Zaki montre souvent solide intention pour la saison 2024. Il est dans l'effectif, il est dans la facilité à petit gamin. Et d'ailleurs, bien rare tout souvent souvent là pour lui. Je t'entraîne principalement là-bas. Et la semaine dernière, l'épreuve fort, Patrice, remportée par Stagewell. Une course qui suscite pas mal d'interrogations, surtout au départ. Quand Stagewell et Myler, avec tant de facilité, il cross Juniper Lane, repité pour être très rapide avec une première ligne. Et je connais beaucoup de ça à l'écran. Et Juniper Lane, il brille de ce sens au départ quand il n'est pas réussi. Al devant ou voilà, même insister au roi, vous trouvez ouais. Le body position de Boutani même, ici dans le problème. Et Stagewell, Jamir Adiosen. Pourquoi il y a une surprise, ça veut dire ce soir, une sortie, une fierté, il a le devant, facile. Et là, vous trouvez Juniper Lane et Boutani. À aucun moment, il cavale à le devant, la manière, ça, les coups, ça peut dérouler sur les premiers 300 mètres. Ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de commentaires. Les commissaires ont tranché, les commissaires 2024 ont tranché. No further action, ont tranché voilà. les commissaires de course. Ouais. Les commissaires, ils revoient la montre, bien sûr, de Jean-Roland Boutaniv. A review of the jockey Boutaniv was undertaken, and the stewards deemed that no further action was taken, Patrice. Et la montre qui a été finie commentée lors de notre live samedi dernier. Oui, là, nous retrouvons encore une fois. Bon, nous fait aller au ralenti, là, le samedi dernier, pas tiens ralenti là. Comment la porte ouverte, et ce qui est bien, Stagewell. Avec Juniper Lane, premier couloir, c'est Juniper Lane qui met sur la tête Deo en premier. Donc, ça qui est rapport au commissaire, il mettait là-bas, qui. Nous regrette les images. Voilà. Là, vous trouvez, il filme. Là, c'est déjà trop tard parce que. Il arrive, il finit retenir ce souval pendant 3-4 foulées. Maintenant, quand le bureau reprend les devants, Stagewell cross devant lui. Ça, il a une enquête. Ça, c'est une autre affaire. Enzo qui fait une affaire bien, bien dangereuse. Qui tout le temps nous dit. J'en ai un autre problème dans le passé. Non, mais surtout à ce moment-là, Enzo, vous trouvez Enzo qui est tombé. Ouais. Vous trouvez un bel accident là. Mais le départ même, c'est les trois premières foulées qui ne vont pas d'accord. Moi. Bah, c'est trois premières foulées où Swaline bien sorti qui fait retenir. Et nous connaissons que Juniper Lane, c'est un pur front-runner. Il fait tout chemin de mêler les courses quand il était devant et nous tirer, et, trouver Swaline tirer. Et là-dedans, encore, il a aussi l'entraîneur qui nous est satisfait avec la montre, me pensez. Non. Dans le rapport au commissaire, Intérim report, tu dis, mal pas tu dis, qui Stagewell, tu plus rapide qui se soit. Oui, effectivement. Mais on bat tout ça quand la porte l'a ouvert. C'est tout ce soir, saute avant Stagewell, ensuite, Boutaniv, puis déboute le souval là. Rencout, puis tini souval là. Moi, je connais, moi, je suis un Benny Woodworth, je suis un Benny Brésilien, quand je prends des ports. Rennes là, long, et là, petit Rennes là, côté tout. Oui. La souval là, elle plie bien au départ. Par contre, c'est là si Banjo qui est brésilien, soit Banjo qui est Benny Woodworth, moi, qui va pas prendre des ports, c'est Boutaniv qui c'est comme ça qu'il va prendre des ports avec Rencout. Nous finissons là aussi la grande première de Kavish Mohan. Effectivement. Un garçon qui
travail très très dur pour sa première victoire là. D'ailleurs, l'année dernière, il s'y montre proficiente. Shenzo Hideki, sa première monte de sa carrière. Et Pravin Nagadu, une fière confiance, il ne nie sa monte là. Elle a fait qu'il frappe, moi, avec sa garçon là. On connaît bien la première victoire. Normalement, un apprenti, ils ont exhibirant, ils ont payé. Mais Kavish était très calme. Comme c'est que je disais, il y avait ce 15e victoire, ce 20e victoire. Bien humble, humilité à son comble. À son comble. Bravo pour ça. Et vous pensez, moi, beaucoup jeunes, beaucoup. Ben, nous regrettons la dernière ligne droite de Proficient dans le monde de Kavish. Anjoli Lamont. Anjoli Lassise aussi. Anjoli Lassise, Hennen Hills là, à ce moment. Un petit tap, Laurent Collier. Là, il s'est sur Kavash. Mais il accompagne ce cheval bien. Il n'est pas pour ce compte foulé. Et le job was done. Il laisse ce cheval souffler au bon moment, gagne bon briveur à 400 mètres, 300 mètres pour lui résister facilement au retour d'After the Ode. Donc, Lynn prend ce mal en patience, Lynn gagne la confiance d'un entraîneur et le résultat est là. Et moi, pour dire, man, les autres qui pas gagnent même chance, pas découragés, peut-être de tout pour venir. Exactement, Kavish Morhen, la première passe. Dans les courses là, il ne faut pas oublier que ouais, quelques minutes avant la course, il y a un message de Richardy pour Giannou qui. Proficient, puis lui donne pour aller devant. Ouais. Et là, nous posons la question tout de suite, mais qu'est-ce qu'il voit Imia pour faire? Et pendant les coups, on trouvait qu'il y a une fer. Il n'a pas insisté, il insiste tranquille. Encore une fois, au départ. Au départ. Tiens, là aussi, Patrice, doublé de l'écurie Rawat et Ram Sami. C'était un beau doublé quand même pour eux aussi. Un beau doublé, mais là, joking. Un petit surprise dans ce sprint. Par contre, Lizard Boy. Quand les gars prend le commandement tranquillement, et une fois qu'il était devant, la cause était entendue, parce qu'il passe devant Special Force, et Tartarus qui arrive presque favori de la course, et retenu, Special Force rabat et retenu complètement, il était tiqué dans les courses, ça là. Mais la joking, là, il a dit qu'il gagne les courses, il a dit ça l'année dernière, il gagne ce premier les courses, ce premier sorti, mais Desert Boy. Vraiment, rien à dire. Rien à dire, parce que Diesel Boom, c'est un cheval qui voyage mal. Il n'y a pas une sortie qui amène une mine là direct. Il n'amène ni une semaine avant. Ça aussi, dans Wazawa, tu peux dire. Il y a une petite conversation avec lui. Il est obligé d'amener Bonnet à coucher parce qu'il voyage mal. Et d'ailleurs, Mardi, il travaille avec Anand Mendoa pour lui. Un joli galop en solitaire. Et le 990 mètres, mon gars, Instinity Power, pas aussi bien que ça. Quand on ne départ pas, Autoline prend une longueur, il est divan. Et Instinity Power, l'oppression, all through, Penigle, lit en main. Les courses finies. En parlant de 990 mètres, le coup de gauche, Jean de Vartacus et Bella Fiorino profitent au nouveau match de Kikou. Un joli début. Qu'est-ce qu'on reproche? On a reproché à Dinesh Soufoul. Qu'il reprend ce cheval et cette fois-ci, en faisant le contraire. Où est-ce que ça a marché? Non. Et regarde ton rapport au commissaire. Une affaire me trouve drôle. Comment il y a un cheval dans le premier couloir? Après 100, 180 mètres les courses, ou 800 mètres, ben on a dit, la kin. Mais une première couloir, si vous êtes sorti vite, ça veut dire un commencement les courses là. Si pareil, même ça fait encore. On reprend le cheval. Et oui, après ça, quand l'autre cheval là, Bella Fiorine passe devant lui, là, l'apprenti est intéressé. Il est intéressé pour aller devant. Tu faisais intéresser lui le début. Ça aime. Et maintenant, dans sa même les courses là, la quatrième course, et il y a une affaire qui besoin souligner. Tu as une retrait dans les courses, ça, c'est Carlos Mambo. Non? Oui. Et ça, les courses, tu es supposé commencer désert. C'est à 2h02 que la HRD a envoyé un message pour dire. Quand tu commences à intégrer des stalls de départ. Fini à intégrer. Heureusement, ouais. Carlos Mambo, tu as fait des autres. Sinon, les courses, finit l'orgue, finit faire arriver tout. 2h02. C'est là qui nous connaît qu'il y a un changement joqué dans les courses. Là. Ouais. Le cheval ne galope pas, pas de problème. Depuis 40 minutes avant, 30. 35-40 minutes avant, je connais un Zoken blessé et puis remplace lui dans les courses là. Qui respecte ce tenant envers Ban Pordier, le public. C'est notre public qui libère pas à voir Zoken. Et pour dire, tu veux finir à non sa sens, mon Zoken là. Bien avant. Bien avant. Je veux dire, allez, disons 15 minutes avant, il était en rentrée, pesé. Soit tu n'as pas de au moins. Soit je tire pas de classe, tort, parce que Zoken a fini mon tour là. Exactement. Avant ce là, avant ce là, c'est les tu veux annoncer. Parce que je connais qu'ils ont quelqu'un qui vient à l'eau. Qui vient à attends, désert, alors que les courses là, désert. Ça me l'écrit, un manque de rigueur. Faut bien désolé vous autres. Parce que vraiment, là, pour Diamant, moi, pour redonner TFS. C'est quand même tellement TFS fait cause à moi. Diamant, moi, l'arrêt de jouer des coups, ça demande plus envie, pas jouer du tout.
Oui, exactement. Et ben, espérons qu'il s'apporte. Sa qualité, je peux faire là, ok, il ne s'en est du moins pas connu après les coups qu'il connaît. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il va prendre ça, mais espérons qu'il s'apporte pour les passer encore. Hein. Cette semaine dernière, je suis rendu un hommage à Philippe Henry. Cette semaine, nous rendons un hommage à Rameshwar Gajadhar également. C'est un écurie qui l'a pendant plusieurs années. Le King of Long Shots, comme on a fait une allée récemment, là, nous finissons un grand champion comme The Gatekeeper et White River. Mais où qui a un meilleur moment, un meilleur souvenir qui a de cet établissement? Un lutte grand qui est allé, un grand qui n'a pas beaucoup de frill au champ de Moss. Un écurie qui compte à gagner les courses, qui, que ce soit un 0-20, que ce soit un Gatekeeper, un White River, ce man fans tout le temps là qui ne supporte lui, il fait seulement se vibrer. Même Gatekeeper l'année dernière chez PTP, c'était extraordinaire. Ouais. Rameshwar Gajadhar, le gentleman, et son fils Subiraj, Zofin apporte de contribution dans sa live. Entre temps, quelques images. Oui. Et une en tête, bien sûr, là, les White River, les Gatekeeper, avant, les chevaux comme l'empreinte du Rameshwar, les Evader, les Empire State, dans le Barbé, Champion Warrior, Orkney Island, Polar Bound, les Studded Chalice, Master Beam. Bon, il a gagné beaucoup, beaucoup de courses, ce gentleman, au champ de masse, tout en restant très, très humble, tout en être... Il a toujours été l'ami de tout le monde, Rameshwar Gajadhar, même Subiraj, et même gentleman, dans sa game, dans cette allée, sa casaque-là. Nous pas être oublié là, nous chagrin, bien chagrin. Depuis l'adolescence, nous connaissons Rameshwar Gajadhar, nous connaissons ce parcours. We bow down to him, nous disons all the best pour sa retraite, sur la vie familiale, même sous vous. Là, nous trouvons la victoire d'Empire State, qui reste une grande victoire de Rameshwar Gajadhar. Un cheval qui s'atterrit pour battre. Un cheval qui s'est là, mourant. Et après 2 mois, il remporte le barbé sous la selle de Gavin Venter, là où tout lit passe en déo net. Comment Rameshwar fait ça? Il est tout seul comme ça s'écrit là. Moi, pour moi, c'est un des plus grands exploits signés Rameshwar Gajadhar. Patrice, vous rappelez là, de cette nous course? Nous l'envolée de Empire State dans le barbé 1993 sur la selle de Gavin Venter. Tu as vu? Non. À 12 contre 1. Comment tu appelles le monsieur Rameshwar Gajadhar? King of Longshot. C'est pas fou, non, ni. Quelques souvenirs. Oui, souvenir, moi, parle plutôt. Et un souvenir que je me rappelle sur Gajadhar. Et à l'époque, elle était out. Mm. C'est là que je me souviens, quand tu amènes son garçon, je joue au tennis. Je me rappelle sur Gajadhar, Abhishek, qui peut jouer au tennis. Subiraj, le fils de Subiraj. Ouais, ce petit-fils. Petit-fils. Mais quoi, on dit toujours. Et tout. Amical. Et quand mon god, bon souvenir. Quand on a fait, on vous dit, on a fait bien important. Et quand on a un athlète, que ce soit un athlète, hein, athlète humain, ou un chevaux, qui est aussi un athlète, et qui est un champion, pour garder ça en bonne condition, pour à chaque fois où vous faites gagner, il est bien, bien difficile. Même qu'ils ont baisse de forme. Même White River, à un moment, il gagne un problème, il baisse forme. Vous avez l'impression du public qui attend beaucoup de vous. Alors ça, tout bat l'adversaire pour le faire, tout pour battre. Et pourquoi c'est une affaire qui reste à travers la gauche, c'est la défaite de White River face à Alshiba. Non, mais moi, je vais venir loin de ça dans une interview au Subiraj. Non, je vais venir loin de point. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ça. Golden Cheval, un champion, depuis une saison, l'année dernière, de Gatekeeper. Il est venu s'arrêter là. Saison d'avant, champion 4 ans, l'année dernière. Ça, l'année d'avant, 2023, il gagne 3 victoires classiques. Et White River, il gagne tous les 4 victoires classiques. Et c'est pas un hasard. Hein. Si vous dites un entraîneur, il gagne bon, c'est vrai, il gagne 4 victoires classiques. Mais là, non. C'est un petit peu répétitif pour lui. Donc, Alain avait battu le turbo. Et non, là, c'est pas une dernière année, là, mais pensez si tu continues. Et tu peux amener encore plus bon cheval. Ouais. Et tu peux amener encore un crack. Parce que je me gagne la formule pour faire l'île. Il y a un des rares, l'écurie, qui gagne un propriétaire qui reste solide avec lui pendant au moins 20-25 ans. Et il y a un propriétaire qui reste solide, fidèle à l'écurie Rameshwar Gajadhar pendant 20 ans, 15 ans. Extraordinaire, ça. Hein? Oui. On observe ça. On peut être là un peu sur le parcours, sur l'écurie. Il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui restent fidèles avec ça, l'écurie-là. Mais justement, pour revenir à Patrice, ce point, peut-être sa bonne propriété là, comme tu peux dire, Patrice, si vous amenez encore un nouveau crack au champ de Mars, tu cavales découvert. Milan, c'est une grande perte. C'est une petite peu que j'aime, la compétition.
Et c'est l'année dernière, c'est The Gatekeeper, bon, c'est du public qui tient la commission. Mais, oh. Qui sera le c'est favori pour le DMI cette année. Dimoun, crade pouleuse, quand vous êtes du public, peut galoper. The Gatekeeper peut galoper. Dimoun, descend seulement, parce que tu as sa duel là. Tu es là, Dimoun. Oui, pour la dernière classique. Oui. Dernière classique, tu es là, Dimoun. C'était le build-up de la saison. Ça l'année mais ça l'année là, comme on disait, pour le derby, là, récemment, qui cheval pour MHD du. Résiste posted goal. Oui, qui ne bouge. Il y a des rumeurs, pas encore confirmées jusqu'à l'heure, mais confirmées jusqu'à l'heure, dit que David Chuanchong capable de jouer à l'écurie Rouy. Et il y a aussi Vimal Damri qui a joué à l'écurie Ramatoula. Attendons jusqu'à lundi, mardi, on n'aura plus de d'éclaircissement. On entend ça, il n'y a rien d'officiel. Et donc, durant le week-end. Ben justement, nous venons par rapport aux infos, Santoshi et Patrice. Vous pensez peut-être d'être propriété David Chuanchong. Entre temps, quelques mouvements, c'est Cap Kuta après ce victoire, fait une rejoindre le yard de Ramatoula. Il y a la inauguration qui ne passe chez l'écurie Raj Ramzin également. Durant la semaine, Patrice nous fait une trouve sensuelle le net. Il y a pas mal d'entraîneurs qui n'en mettent un precautionary measure à la police. Santoshi, c'était une bonne chose. Écoutez. Doping, c'est un gangrène pour n'importe qui sport. Ouais. Bien sûr, l'épice. Doping, il fait un sport, là, accusé. Quand on gagne 4 doping, c'est un cas de trop. Ce qui est arrivé avec Jacta et Secret Circle, surtout après une fuite sur les réseaux sociaux, l'état anonyme, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut tendre, une conférence de presse HRD, là, c'est grave. Et PML peut sauter. Narang, Ramana. Débit. Right? Ouais. Qui pourrait arriver à l'avenir, ça fait PML là, en cas de doping, interpelle, et là nous trouvons plutôt chez le mimageuse de la part de 4 entraîneurs, ouais. Jones, Ramdin, Rawat, et Zaki même, je crois. Zaki, et Jones. Ouais, Jones. Ouais, entre autres. Mais est-ce que ça c'est la solution? Moi, mon pensée, si je ne prends pas de mesures de sécurité, que ce soit petit gamin ou à pour lui, multiplie-lui par 10. Prends mesures de sécurité là, renforce-lui par 10, sinon on a un problème à l'avenir. Nous avons encore un ou deux cas de doping, et pour beaucoup plus, et pour bien bien damning. Vous pouvez comprendre? Nous pas souhaiter arriver ça, parce qu'il affecte l'industrie. As a whole. Vous pouvez comprendre? Mais surtout que ça fait PML là. Voilà. Là, l'avenir des courses, Marie incertain. Imaginez-nous. Nous avons souvent le papier galoupé. Et débile, nous souvent le papier entraîné, ce gaz aujourd'hui. Alette n'est pas là, un narang, souvent bousé, un ramana. Fait un chamboulement. Donc, c'est pas. Un truc à prendre avec les pincettes. Le doping reste de quelque chose de très très grave. Security measures, imposing measures, damning measures should be taken. Parce que vous connaissez, vous voulez être tout le temps en avance sur la police, c'est pas vrai. Bien contre Carrezeux, bien renforcé. Sécurité par 10. Exactement. Plus de problème. Exactement. Que ce soit dans le centre privé, petit gamin, que ce soit pour lui, que ce soit même dans l'enceinte de l'écurie. Puis ça prend Marie-Brigotion. Patrice, c'était cas de dopage, interpel. Oui, interpel, précautionnel majeur, etc. Moi, la question que je me pose, moi, mon entraîneur, quand je signe ce contrat, je prends cette licence, je connais ce seul responsable. Oui, oui. Et en tant que seul responsable, et auparavant, quand même, tu sais, tu là, ça continue dans ce yod, ça continue dans ce petit coin, ça continue à mettre sous caméra, sous sécurité, et vraiment, je suis responsable. Là, la question que je me pose, moi, est-ce que je peux mettre sous caméra, je peux mettre sous sécurité, parce que. Pourquoi tu as un alguet et tu as dit des autres alguet avec PTP avec GRL? Donc, je bouge bien, moi, j'avais si un entraîneur et qui connaît le responsable de Ouban Cheval, c'est à où prend responsabilité, met Ouban Sécurité en plein le propre palfonnier. Ça veut dire où connaît, si n'importe qui affaire qui est arrivé, c'est où qui est responsable. Voilà. Là, nous pouvons retrouver dans une situation où vous pas moi, ça dit ça, ça qui ne fait ça, non, ça. Et, qui fait au signe, il est responsable. Oui, bah, Diane, vous avez dit, c'est où les dans le monde entier, c'est... tout entraîneur, comme ça, hein? Oui. Dans n'importe quel pays, un entraîneur responsable, souvent, souvent. Ouais. Ça qui nous fait, Maurice, parce qu'avant, tu as la sécurité. L'Afrique du Sud, souvent, le gars, loupé, ou gagne droit, tout si, ou gagne droit, tout entraîneur, propriété, tout, c'est que souvent, entraîneur, Yassim, sur son habilité. Voilà. Caméra partout. Caméra partout. Ce gardien-là, logbook, l'autre, ou rentré, ou mettre une nom, ou signer, caméra, braquer le haut, ou un mouvement, ou éteigner, si, gagne, ou dans la caméra, une façon de parler. Oui. Ou vous faire une affaire comme ça, à imaginer. Non, mais ça, moi, pensez, mon entraîneur là, si vous avez votre responsabilité, si vous connaissez votre responsable, je vous ai imposé que vous soyez gardé dans telle place, que ce soit un petit gamin ou là, je suis dans ce coin vous autres, je suis dans ce propre système de sécurité, de caméra, de bonne palfonier qui. Aux autres, je connais que tel palfonier travaille tel souval, aussi, et dans le code, tout ça qui est passé. Oui. Bon.
Par monsieur X, Greg Zedin rentre, il vient de nous voir, il mange des affaires, ou pas connaît ça. Peine à foutre, tu vois. Peine à foutre, tu pas connaît. Ouais. Quand matin, il dit tantôt, assois, n'importe qui. Et même tu vois, qui est pour galoper, qui s'y ferme, tu as pour lui une semaine avant, l'autre, comment tu peux faire longtemps. Non, mais ça aussi, tiens, car, pendant que tu vois, tiens, tiens, car, du coup, il y a, mais seulement. Et quand ben dernier là que tu te fais guider, même ramener sur gaz, tu passes là-dedans. Oui. Ouzo, non? Quoi ben là tu sais. Ouais. Ouzo. Et ben puis le stéroïde anabolisant. Sur là tu manges. Mais au niveau de sécurité au sein du MTC, tu n'as pas de lacune. Je suis condamné, rectifié parce qu'à un moment, tu as beaucoup de laisser aller. Là la question que pose moi, l'enquête là vous est intéressant, mais malheureusement je trouve la police peut galoper plus vite qu'il y a tu as dit. Parce qu'on a une information pour confirmer qu'il a entraîné, il a arrêté une relocation. Je vous dis, même l'assistant entraîneur, l'information que vous avez gagnée, pour confirmer. Mais la police peut aller plus vite qu'il y a dit. Et tu as dit, vous avez bouclé l'enquête avant. Oui, ensuite, il fait lire la police. Moi, ça qui me connaît, du coup, moi, quand tu as dit, fini l'enquête, fini le semaine de findings, là, il finit pour tout. Il a envoyé ça à la police. La police fait ce travail. C'est là pour continuer à faire l'enquête qu'il va faire. Mais là, moi, je trouve la police peut aller plus vite qu'il y a dit. Attends, on voit un développement dans cette affaire durant les jours à venir ou voire les semaines à venir. Voilà un peu concernant l'actualité, les infos pour le monde épique. Nous passons maintenant aux analyses de cette deuxième journée, la deuxième journée qui prendra lieu demain au Champ de Mars. Ben, quelques infos pour cette journée de demain. La piste est normale à 2.8 unités. Les forces restent toujours à 1,75 m des bases intérieures. 8 courses au programme. La première course à 12h15. La course principale, c'est la sixième course. Une épreuve sur 1400 m, benchmark 51 avec 5 chevaux au départ. Avec le numéro 1, 4-5-6, le 2, Trip to the Sky, le 3, Master of Illusion, le 4, c'est un nouveau Captain Seagull de l'écurie Raj Ramzin, et le 5, Western Fort, un autre nouveau, cette fois-ci de l'écurie Yannick Perdro. Ça touche seulement 5 chevaux ici, mais 4-5-6 poil comme favori dans cette épreuve. Oui, j'ai touché les Grécial devant, mon collier en fitness, mon point en tête, un galop, un pace work en compagnie de Global Glory, il y a une semaine. Un bon travail. Bon, les temps séquentiel et coucher là, s'il y a le devant, il cale très très loin. Et Bogirotti connaît très très bien, il gagne avec lui à deux reprises l'année dernière. C'est un duo qui entend doute bien. Bogirotti total, il a 3 victoires avec 4-5-6. Ce danger pour moi, c'est le bon finisseur Trip to the Sky. Il y a un galop tout récemment qu'il a réalisé à Pau lui. Et c'était accompagné de Special Blend. Je suis bien content, ça galop là. Pas oublier, me répéter, Trip to the Sky, c'est un joueur qui l'entraînait principalement à petit gamin, sur un CS 100 mètres, une ville à pour lui, il est fit, donc il est à craindre au finish. Bon, pour inclure dans le TSC, et un nouveau, c'est Captain Seager de l'écurie Raj Ramzin, un long B de 6 ans, qui paraît pas mal au niveau de ses conditions physiques, dit aussi, il en a pas mal de travail, c'était un peu un slow beginner, mais qui quand même a un bon finish, il est capable d'être là dans le TSC. Captain Seager, donc le nouveau de l'écurie Raj Ramzin, Patrice, 4-5-6, on connaît, c'est un cheval qui l'année dernière fait une remporte, les courses à sa dernière sortie sur 1400 mètres à 4 avec Rotirotti sur le 2 à Kachwagirotti qui pourrait monter encore demain, il y en a dans la deuxième ligne. Le cheval Mahadia la semaine dernière, pas trop performe as expected avec pas mal de favoris battus. Est-ce que vous faites confiance à 4-5-6 ou encore pensez qu'il peut-être les chevaux de Maradiaz ou Boubizin, peut-être un premier galop avant qu'ils arrivent à un niveau de fitness qui est capable pour mes autres de gagner? Oui. Bon, pensez, la semaine écoulée a fait beaucoup de bien aux chevaux de Banja. Et 4-5-6 ou un Santos Ndia, Colin Jadim, dans sur défi quotidien, cheval bien travail. En compagnie de Global Glory. Donc, s'il répète sa performance de l'année dernière, et on ne peut pas penser, et que ce soit Captain Seager, Western Fort, Pal Divan, Master Illusion capable à s'attaquer dans la course à l'avant, mais normalement, si ce jockey prend un bon départ, Paris Ténélie au départ, comme Johnny Berlin, pourquoi il pourra le Divan cette fois-ci? Oui, et dans 26 circonstances pareilles. Et si réduire le train dans la descente et courir relax, on va dire, mais arriver à 400 mètres du but, commence à accélérer graduellement, et ben les autres bien terminent très très fort. Pourquoi pas vrai bien lundi. Oui. Et ce banc de danger. Danger bien sûr, c'est Trip to the Sky.
qui termine cette saison très très bien. Et Pierre Cheval qui a un très très bon finish. Maintenant, nous guettons une coûte si il y a sa déco de fitness qui tient là en fin de saison là. Les gars, produit un tel finish parce que ça, ça les coûte si tu gagnes l'année dernière en fin de saison. C'est extraordinaire. Combien de temps tu as fait, Patrice? Elle les coûte pour les tenir combien de temps vis-à-vis d'un an? Et. Je ne parle pas la troisième course. Il y en a cinq par temps. La troisième course, il y en a cinq par temps. Un, deux, troisième course, il y en a cinq par temps. Dans la plupart des courses, on trouve qu'il y en a cinq par temps. Dans la septième également. Ouais. Mais dans la cinquième course, il y en a quatre chevaux. Attention, l'espérer, nous souhaiter bien un retrait après. Il n'y a pas de problème. Mais oui, mais en tout cas, votre sélection, Patrice, c'est le numéro 1. 4-5-6 devant Trip to the Sky, le 2 et 3ème, le 4 Captain Seagull, le nouveau. On revient un peu sur le fiche sud-africaine, peut-être. On regarde sa dernière victoire, c'est un cheval qui suit assez proche du pas ouais. Et qui produit un très très bon finish cette dernière victoire, le 1400 mètres même, vous pensez. Et encore une fois, comme à Wikipédia, la semaine dernière, c'est plusieurs manes nouveaux qui peuvent galoper cette année-là. Le dernier des courses voilà. Remontent à 2022. Oui, les courses remontent à 2022 et. Donc, il n'y a pas le plus bien ça à Galoula. Je le logé longtemps dans la ferme aussi, mais c'est moi, Enoch qui travaille beaucoup. Pour prendre l'exemple, Aditi, pour ouais. Prendre le Walala Wasala. Oui. Ouais. Walala Wasala. Il travaille beaucoup. Il y a encore un jument. Je ne vais pas mettre ce nom, je ne vais pas maîtriser ce nom-là. C'est Nasdarovia. Oui. Un jument qui a beaucoup de travail lui aussi. Mais on fait attention, hein, on fait attention. Et dans les deux nouveaux, c'est le deuxième qui m'a le plus content. Oui. Il va me démontrer grand chose de training. C'est un cheval qui nous saute 4e dans le South African Derby, groupe N, en 2020. Il termine sa carrière et dans le groupe 3, Teyen Setter, vous dites nous là. Pour être Manzano. Vous connaissez ça souvent. Oui. Il n'y a pas ça, Manzano souvent là, qui n'y a pas l'Afrique du Sud. C'est vrai. Même Awam, Awam, etc. Donc, qui connaît le coup sud-africain. Mais seulement, vous pensez, il peut plus être des galops. Et c'est surtout un cheval de distance. De distance, de distance. Donc si le train est lancé, peut-être vous venez. Oui, probablement, il sera là au finish. Mais c'est un cheval qui est intéressant pour suivre à l'avenir. Exactement, donc à voir ce nouveau Western Ford, une indication de la cote donc, dans cette épreuve principale, le numéro 1, 4-5-6. C'est le favori de cette épreuve, 4-5-6 de l'écurie Samraj Mahadia. Il est donc coté à 200 roupies, 4-5-6. Le cheval numéro 2, Trip to the Sky, coté à 350. 2000 roupies, Master of Illusion, Captain Seagull, 400. Western Ford est coté à 1600 roupies. La première course qui se disputera sur la distance des 1400 mètres pour un cheval qui a un rating entre 0 à 15 avec 5 chevaux au départ. Avec la présentation des chevaux, le numéro 1 After the Order de l'écurie Rajrandin, le 2 Power Tower, le 3 Rochester, le 4 Perfect Pursuit, le 5 Midnight Oracle et le 6 Sir Capers. Ça ne touche pas très, c'est peut-être mon demande de ban sélection un peu. Ah, mon cousin, il y a des affaires qui n'échappent nous, ils vont nous causer. Une série Marie-Mort, l'affaire Selvom, moutien. Ah! Assistant entraîneur. Ah, allez. Midi, par exemple. Midi. À, midi 3. À 16h, drop. Drop. Bien, ça regarde pour Selvom. Qui, quand on met sur ban couché, il y a 7 ou 8 à la retraite. Il est bien, bien down. C'est un jeune qui peut rôder sa chance. Il est passionné, il est dedicated. Il a un rêve, nous avons un problème là avec combien d'entraîneurs qui. Comment nous dire PML, P. Sur le banc. Oui, oui. Donc, s'il y a un jeune, moi, vous pensez, ma autorité, quand donner cette chance, comme un assistant d'un des guéris par là, laissez vivre ce rêve. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ont une chance, ils ne te rappellent. Combien de gens qui ont une chance, ils ont émergé, ils ont fait bien. Donc, nous espérons que c'est bon, Moutia gagne cette chance. Ah oui, Patrice, j'espérais que Sylvain Moutien a peut-être qu'à gagner sa chance par rapport à une nouvelle écurie, peut-être cette année, ou... Oh, attends, on va voir si c'est même comme assistant. Même pas une écurie pour lui-même. Ouais, non, ouais. Mais comme assistant. Comme assistant, parce que quand même, lui-même, il y en a 4 ou 5 bons cheveux dans à ce midi, il est assistant, c'est sûr. Il n'est plus non. Assistant. Ben voilà la première partie de TOEF Plus qui va prendre fin ici. Nous retrouvons ZUT après le flash de 20h. Entre temps, vous pouvez nous suivre sur le web, sur la page defimedia.info ou sur Télé Plus. Nous vous regrettons quelques courses de l'écurie Rameshwar Gajadhar, notamment avec White River. On se revoit après le flash de 20h.
jaune. Et bientôt le départ. Départ de la grande course, la Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir avec Colette Hart qui est vite sollicité, tout comme Black Cat Back. Black Cat Back à l'intérieur de Colette Hart qui va essayer de partir devant. Alors lutte sur la partie initiale entre Colette Hart et Black Cat Back qui est repris par Bardetier, Procol Harum, Perovskia. Ensuite on retrouve White River qui évolue à l'extérieur, Nebula, Baritone, Tengun, Salyut qui joue de la tête, Hard Day's Night, Table Bay, Nad qui ferme le cortège. Les chevaux quittent le tombeau Malartic et entament maintenant la descente, environ 950 mètres à parcourir pour Colette Hart, généralement solide dans ces circonstances. Il compte une longueur d'avance maintenant sur Tengun Salyut qui a été obligé de se rapprocher. Table Bay également qui s'est mis là avec Black Cat Back, Toc Jaune sur les barres. Ensuite Hard Day's Night qui s'est décalé. Dans son dos il y a White River qui passe maintenant Procol Harum. À l'arrière à Enad, Baritone avec Nebula qui est pratiquement en arrière-garde maintenant à la rue du gouvernement, 400 mètres à parcourir. Attention, Colette Hart peut aller jusqu'au bout. Black Cat Back sous pression, Hard Day's Night qui est lancé. White River également, Table Bay lancé dans la ligne droite finale avec Colette Hart. Black Cat Back à l'extérieur, Hard Day's Night qui est lancé également par Yashine Mamdi. Colette Hart qui a toujours l'avantage, Black Cat Back qui... Colette Hart. Dans la Barbie Cup, où on va attendre. Et c'est parti pour le Méden. White River n'a pas pris le meilleur des départs. Mais sinon, Colette Hart va partir très vite devant avec Tengun Salyut. Colette Hart qui dirige les opérations de Onraid, Tengun Salyut, White River qui s'est très bien repris. Il y a Our Emperor et Nat dans le dos de White River sur les barres, Nebula à l'arrière, Overshadow et Solstar qui ferme le cortège. À l'approche du poteau du 600 mètres, Colette Hart, comme attendu, dirige le peloton devant Dawn Raid. Son compagnon d'écurie, Tengun Salyut, suit bien en troisième position. Our Emperor également bien retenu. Ensuite, White River, le favori, qui se retrouve devant Alshiba. Enad à l'extérieur d'Alshiba. Derrière, il y a Nebula, Overshadow et Solar Star. Les chevaux vont entrer dans la ligne droite pour la première fois. Avec Dawn Raid qui prend le relais devant Colette Hart. Ensuite, on retrouve Tengun Salyut, Our Emperor, White River. Enad se rapproche un peu maintenant pour se mettre à l'extérieur de White River. Alshiba sur les barres, Overshadow à l'arrière, Nebula et Solar Star. Pas de problème pour Dawn Raid ici. Colette Hart ne se presse pas, reste bien dans sa foulée. Donc Colette Hart, Tengun Salyut, Our Emperor, White River va se faufiler légèrement à la corde, mais non, il laisse partir Our Emperor qui va surprendre peut-être tout le peloton. Our Emperor va même accrocher Dawn Raid en tête de cette épreuve. Our Emperor, Dawn Raid. Ensuite, on retrouve Colette Hart derrière. Tengun Salyut, White River. Enad a rejoint presque White River. Ensuite, on retrouve Alshiba, Overshadow et Solar Star. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course pour Our Emperor, Colette Hart. Avec Dawn Raid, Tengun Salyut, Enad est déjà sous pression. Il y a White River qui est juste devant lui, Alshiba, Overshadow, Nebula va commencer également son effort à l'arrière, Solar Star, Enad est lancé avec Nebula, White River juste devant lui, mais devant il faudra suivre Tengun Salyut et White River qui est lancé à l'entame du dernier virage. Absolument, White River fait fonte à pression, Tengun Salyut va prendre la mesure de Colette Hart, White River en pleine piste, Enad pour l'instant est battu, White River, Emmanuel Nunes, attention Alshiba à l'intérieur, White River remporte le Méden 2019. Oh,
Retour dans l'émission Teuf Plus, que nous conti analyse la corde de cette deuxième journée. Nous analysons maintenant la première course, qui, comme tu l'as dit, pour galoper sur une 1400 mètres rating 0,15 avec les 6 chevaux qui nous viennent déjà présenter Santosh. After the Order, le numéro 1 est retourné pour la deuxième semaine de suite. Il passe grand favori de cette épreuve. Est-ce qu'il est bien prend sur les courses? Est-ce qu'il est ou favori pour cette première course? Bon, Marco, il y a une chance de vaincre parce que vous connaissez un galop des courses. À ce stade, ouais. Moukou est assez lourd dans la balance côté fitness. Bien sûr. Et Moukou, s'il prend bien sur les courses, c'est son entraîneur, il prend bien sur les courses et confie à nouveau à Duravant qui prend un café magique face à Profichel, ouais. Qui gagne tout dans ce faveur la semaine dernière. Et Profichel qui est un bon cheval, qui t'y fait bien même à un niveau supérieur. Ouais. Donc nous donnons un peu de crédit à After the Order qui prend une chance au 1365. Moukou, quand on a 190 mètres pour une 1365, un désavantage pour lui, c'est un finisseur. Ou bien respecter Rochester. Complètement retrouvé chez Pravin Nagadou en fin de saison, quand il gagne deux belles victoires. Et coucher là bien, il a aussi travaillé à petit gamin. Il a été infiltré au Chester. Bon, pour mettre bien sûr là, comme le challenger d'After the Order, il complète le tiers. C'est pour mettre un coucher, quand on s'arrête l'entraînement à gamin, il tape à l'œil. C'est un cheval qui gagne sur un pépin, il est blessé. Rappelle, il saute barrière au poteau de 1600 mètres là-bas. Il tombe de l'autre côté, il est blessé gravement, le score fini. Oui. C'est Power Tower. Je suis surpris pour une prestation de Power Tower à petit gamin. Lorsque ça travaille là, je dis qu'il termine dans le tiers. J'espère qu'il a eu raison. Eh bien oui, quand même, Patrice. Alors, t'as dit Yoda la semaine dernière, dans le debrief après course, nous te dire qu'il peut-être 990 mètres, il était un peu outpaced au départ, mais ensuite, dans la ligne droite, quand les regains se finissent, il termine quand même bien. 1400 mètres sera mieux pour lui. Sur les courses la semaine dernière, il ne perdit pas des longueurs. Et quand il perdit les courses, pour moi, c'est pas outpaced, c'est le dernier tournant. Oui. Quand il faisait tourne wide complètement. En il est presque dans le manche boulette, tout le monde, tu vois, là, le manche boulette, Philippe a dit 3-4 ans. Le manche en boulette, un fois là. On va connaître le manche en boulette. Il a fait la prière, coup de pagode. Oui. Oui. Et c'est là qu'il perd sur les courses. Parce qu'ensuite, il est revenu. S'il part, il tourne wide. Tu vas inquiète pour vous. Oui. Le cheval est très très bien. Et il sera difficile à battre, on pense, demain. On fait les deux au vainqueur. On fait nous vainqueurs. Et ce bain de danger. Avec le petit champ, oui. Si ce jockey prend une bonne décision, une bonne option. Parce que c'est un finisseur. Sur chaque fois, Bourgogne passe à l'extérieur complètement. Oui, ça ce sera un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc, et d'ailleurs, lui, logiquement, Rochester, qui est un honest performer, on va dire, ouais. Très très honnête. Et en troisième position, miraculé. Pas Watawa. Peut-être que la semaine dernière, nous viendrons à Mokli qui est beaucoup moins frontrunneuse, qui ne fait la course à l'avant, qui ne tient jusqu'au bout. Sans pas le divan, donc. Sans pas le divan. Rochester. Rochester qui n'a pas le divan. Et il fait pas suite, mais dans l'école, quand elle dit bon. Ouais. Donc attention. 1400 mètres seulement un peu courte. Mm-hmm. Ça qui est passé un peu courte. Vous connaissez avec vitesse qui est là, avec les courses qu'il y a la semaine dernière. Mm-hmm. Pourquoi pas pour After the Order, elle dit bon. Est-ce qu'il y en a suffisamment de Gatesby? Il y en a. De Gatesby. La quatrième couloir. Et ça reste sous le bio 20. Hein. Oui, parce que nous venons remarquer souvent qu'il y a un cheval qui va mettre devant, surtout dans ma catégorie de 0,15, 0,20, la plupart du temps. Non, c'est une souvenirment tactique, moi, pensée, si la semaine dernière, et Raïl, dès qu'on prend d'épaule, il pousse ce cheval-là, oui. Pour lui venir. Mais l'eau 990 mètres, c'est pas, différent. Oui. Mais là, il y en a deux coussins à son intérieur, Perfect Pursuit et Midnight Recall. Midnight Recall qui a une longue parcours. Oui. Et Perfect Pursuit. Attention au poids aussi, parce que quand même 61 poids, 5 kilos. Ouais. Non, mais s'il prend les poids, il cale au bras après. Oui, c'est beau armé. Voilà, il finit par se dévanger, il pose armé, ça qui en vient, allez, hein. Il est assez tranquille. Après ça, tout arrive qu'arrive. Tout dépendra du débord alors. Bien sûr. Indication de la coach, c'est Sorias, ils sont co-favoris, After the Order et Rochester. After the Order, 200 roupies. 1600 roupies Power Tower, 200 roupies également Rochester, Perfect Pursuit, 2000 roupies. 3000 roupies Midnight Oracle, alors que ce qui est posé est coté à 3300 roupies. La deuxième course, 990 mètres, rating 0,20, avec 6 chevaux au départ. Le numéro 1, Aditi, c'est une jument de l'écurie Dominique Saki, le 2 Special Duty. De l'écurie Yannick Perdro, le 3 Double Think, le 4 Badawi, le 5 est nouveau également Nazdarovia, de l'écurie Simon Jones, et le 6 Walala Wasala, de l'écurie Yannick Perdro. Ça touche pas mal de nouveaux ici contre deux anciens Badawi et Double Think. Une question pour le vieux routier, Patrice Smiot. Oui. Quand dernière fois on trouve trois juments dans les courses, moi à ma connaissance, j'en ai trouvé. Et pas ces trois juments, le premier sorti. Ouais.
premier sorti, trois juments. Trois juments, combien de juments là? Là, c'est en fausse, hein. Aditi. Nasdarovia. Nasdarovia. Walala, Walala, Wassala. Pourquoi? Là, si je n'ai pas gagné, pour même nos autres, là. Attends, Aditi, Aditi a bien assimilé sa préparation. Elle a fait très bonne impression à Petit Gramin. Mm-hmm. Deux ou trois fois qu'il est dans la barbe, il n'en échappe à l'œil. Et ce matin, mon pétrolier trotté avec Ali Hossein. Ma vie n'achète à mes côtés. Qu'est-ce bien keen, joli athlète. Bien, hein, bien, bien présenté. Vous pensez de vous faire une très bonne course. Il est toujours dans ce maiden tag. Il a 4 ans, c'est un produit de Kerari et Varuna. Qui ne fait une placée sur 1000 mètres, 1400 mètres. Donc 990 mètres, pas un problème, vu qu'il ne fait bien le 1000 mètres aussi. Il m'a fait Aditi, mon favori, dans sa Lola. Et bien sûr, Nasdarovia, au niveau du rating, réajustement au niveau du rating. Qui rating l'Inmune Maurice quand tiré, quand il fait mal justement, comme étant l'Ipan galopé depuis 2022, il retourne avec un rating de 18. Si on ne pas trompé, il tient un rating de. Ça va avec un rating de 60 quelque chose. Attention à elle. Et vous mettez Walala, Wassala dans le TSC. Vous complétez quoi? Tête Double Fink. Oui, mais justement, ça touche des trois jeunes juments, mais les deux vieux routiers. King Alpensil fait en Afrique du Sud, mais qui fait sur le quatrième des Guapo. Oui, Special, Special Duty. Duty. Il a 4 ans, il produit le Kerari lui aussi. Et Guapo, c'est quand même un cheval qui est exact. Estimé par son donc, pas sous-estime aussi Special Duty. This race is very tricky. Mais quoi, le vieux Badawi pourrait un peu problème là. Oui, surtout dans la course en avant, est-ce que Benjumon peut aussi rapide que Badawi? Attends, on voit Patrice, mais est-ce qu'il vous aussi vous faites confiance au jument ou peut-être voilà un peu pour la vieille garde? Le dame. Donc, Aditi, bien sûr. C'est un cheval qui me tape dans l'œil, qui me tape à l'œil, on va dire. Non, là, si je dis. Non, là, si je dis. Non, là, si je dis. Et il y a le droit du monde avant un peu longtemps, dis-moi, quand j'étais sous outil, fais attention, fais attention. Le droit du monde, il y en a bien longtemps, et puis l'année dernière. Donc, et faire confiance à Diti, bon couloir, Ali Hossein, jockey en forme, entraîneur en forme, jument en forme, encore, tout bonnes étoiles là, n'y a. Mais je vous ai fait bien attention, comment ça veut aussi dire, aux deux autres juments. Et parmi ces deux autres-là, moi, je suis plus content, voilà là, Wassala, qui fait une bombe à l'étrayal. Oui. Et attention, et Nasdarovia aussi. Donc, ban ancien comme Double Fink et Badawi, ben nous vous regrettez que vous pouvez faire contre ce bon jument là. Moi aussi, vous pouvez prendre NTSC, Aditi, Walala, Wassala, et moi pour inclure Double Fink dans mon TSC, par cause du premier couloir surtout. Aditi, le numéro 1 est coté à 180 roupies, 480 Special Duty, 700 Double Fink. 1600 roupies Badawi, 800 roupies Nasdarovia et Walala Wassala est coté à 1400 roupies. La troisième course, 1365 mètres, rating 0,26, avec 5 chevaux au départ, le numéro 1 General Jackson de l'écurie Pravin Nagadu, le 2 Christmas Ice Cream de l'écurie Nawaz Rawat, le 3 Global Path, un nouveau de l'écurie Yannick Pedro, le 4 Assassari, un nouveau de l'écurie Raj Ramjin et aussi le numéro 5, un autre nouveau, Time in the Woods de l'écurie Simon Jones. Santosh, ici aussi, nous avons quand même pas mal de nouveaux, mais nous avons également Christmas Ice Cream qui reste sur une bonne deuxième place. Une pour tout choix, le General Jackson. Non, Christmas Ice Cream. Christmas non, Ice Cream. On pourrait prendre une victoire de Christmas Ice Cream. Oui. Un coucher qui est là, quand même inédit. Débute ordinaire, les courses ordinaires, slow at start, saute 7e, 8e. Quand la Wazra Watt met Minkers avec lui, il franchit un palier, il a combien de jolis progrès, il fait une seconde et c'est sur Magna. C'était sur 1500 mètres en fin de saison. Il continue, il prouve durant l'intersaison quand il gagne la plupart, la majeure de sa préparation à Petit Gramin. Et mardi... Santosh nous regrette la course de référence de Christmas Ice Cream avec la toque rouge Kazakh blanche. Exactement. Vous remarquez que ça joue là, il peut suivre en quatrième position. Hein, sur les barres, vous trouvez là. Right. C'est un cheval qui s'y termine sur 600 derniers mètres en 35-53 à ce là. Et les coups, ça c'est galop. N32-73, 1500 mètres, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais les temps, 0.025. Et coucher là, il continue, il prouve. Oui, à 600 mètres là, de l'arrivée, il est déjà sous pression. Il y a un petit peu sous pression. C'est le seul magma qui est devant. Non devant, oui. Il y a une course de rêve. Il contourne en épaisseur. En épaisseur, mais vous guettez, il termine
bien, pour lui venir chuter à 2,70 de cette échelle magma. Vous répétez, il termine 600 derniers mètres en 35,53. Donc, ce fut une bonne performance. Et il continue, il prouve durant l'intersaison. Et pas plus tard que mardi, il dévoile ce bon progrès, il dévoile un bon potentiel à l'heure des galops. Mon frère Christmas Ice Cream, mon favori. Il m'a mis Sassari, le nouveau chez Raz Ramdin. Et un autre nouveau, c'est Time in the Woods. Un four-time runner qui ne soit second deux fois sur 1200 mètres. C'est un produit de Time Thief. Il a 4 ans. Ce bar travail pas si mauvais. Vous pensez il est capable de faire bien l'eau. S'il n'est pas montré, il est trop nerveux dès qu'il y a les stalls. Patrice, la course de référence de Christmas Ice Cream, c'est un cheval qu'on sentait, je veux dire, c'est fini comme un inédit, il prend un peu de temps, deuxième à sa dernière sortie. Est-ce que il débloque ce compteur dès sa première course de rentrée? Christmas Ice Cream, pour moi, et demain, elle m'a sauvé. Parce que je pensais que Christmas Ice Cream sera très très difficile à battre, même pour moi, il est capable de faire la course à l'avant. C'est la dernière fois, c'est vrai, c'est le seul magma. Tu galopes. Quand tu prends des potes, tu es troisième position. Sans s'y retrouver à l'extérieur. Et là, c'est au premier couloir. Et on lui dit, jockey en forme, entraîneur en forme. J'ai besoin de suivre. Eh ben oui. Derrière, pareil comme Santos, Time in the Woods, qui est une, je pense, une honest performer. Et en troisième position, Sassari. L'indication de la cote dans cette épreuve, le numéro 1, General Jackson, est coté à 5000 roupies, 170 roupies de favori Christmas Ice Cream, Global Path est coté à 500 roupies, 550 Sassari, Time in the Woods est coté à 600 roupies. La quatrième course sur 1500 mètres, benchmark 31, avec ici 5 chevaux au départ, Duke's Domain, Flowerscape, Menelaus, Tiger's Rock et Ravishing Rambo. Il y a des nouvelles qui peuvent tomber concernant la police qui agit apparemment dans un cas de doping là. Probablement, oui. Plus d'infos demain. Oui, il y a plus d'infos demain. Capable d'une arrestation, car il y a une retombée. Ouais. Ça touche cette quatrième course, Menelaus comme grand favori. Oui, c'est mon favori, même si c'est sur 1500 mètres, mon 4. Moins 4 pour dans son faveur, c'était assez weak feel. Mais dans la troisième ligne, si Brandon est croyant, monte lui inspiré. Il monte lui plus inspiré, c'est-à-dire il connaît code pour sortir, code pour démarrer, et démarre au bon moment, settle se coucher, pas démarre tout, etc. Parce que c'est un 1500 mètres. Ne regrette ce cause de référence, Patrice. Oui. Là, mon rappel, c'est que vous savez, je vais commencer ensemble. Au départ, là, il prend un départ assez ok. Il prend beaucoup de temps avant qu'il réussisse à gagner position. Il retrouve les free wide. Là, au départ. Ouais, le plus difficile. Non, il prend un gros risque aussi. Voilà. Ouais. Et la dernière ligne droite, que tu essayes. Et dans même les courses autour de Duke's Domain qui est devant. Ouais. Tu gagnes les courses de rêve devant. Il fait figure de vainqueur, hein, Duke's Domain. Ouais, qui shift à Duke's l'intérieur. Domain. Puis il a fait des changes de ligne. Pipped on the line. Par Menelaus. Menelaus qui revient sur Duke's Domain. Duke's Domain rattrapé sur la ligne. Même après avoir changé de ligne. Donc pour moi, c'est Menelaus dans cette course et Duke's Domain qui joue. Comment on trouve ce condition physique, Menelaus? Je l'ai essayé avec un nouveau mot à l'entraînement. Il paraît être appliqué avec ça. Et vous pouvez remarquer aussi qu'il paraît qu'il y a une maturité. Parce que sur la ligne, c'est peut-être pas idéal pour le début de ce campagne 2024. Mais vu le weak feel, vu qu'il y a un coucher, qu'il y a un problème là-dedans. Bon, Ravishing Rambo, Tiger's Rock. Flowerscape, Kenan Rob, TN, mais l'adversaire, pour moi, c'est Ansel. Duke's Domain, qui a été bien entraîné et qui respire à la forme. Patrice Menelaus paraît comme si c'était un ban top points of the day demain. La cote aussi, pour cause de cela, nous guette ce ban ancien des courses. Fait figure d'épouvantail. Fait figure d'épouvantail, parce que tu gagnes à les courses, tu gagnes les courses difficiles. Les courses qu'il perdit après. Toujours au départ. L'Istanbul au départ. Sur la côté là, mon corps mettre l'arc. Non, il est quel là ouais. Vous connaissez là oui, c'est ça, mais je peux montrer le départ. Le départ de Charlie Cousse qui a dit. Oui, c'est ça. Bon, il y a un message qui est venu de la part de Subiraz Gazeda avec son papa. Je peux guetter Michon, la maison, je suis bien touché et ému par sa rétrospective, les White River, les Empire State et les bons mots pour Zot. Les 10 heures vite. Absolument. Les 10 heures absolument. Vite. Ouais, mais on veut dire, tu vas une grande perle, pas une perle. Tu vas une grande du teuf. Et malheureusement, il y en a qui est mort, qui est décédé, et il y en a vraiment. Il s'appelle quitte le jeu. Quitte la scène. Ouais. Quitte the game. Exactement. Et il est malheureux pour le turf mauricien. Ouais, il est malheureux pour le turf mauricien. Donc, espérons l'avenir. Peut-être
un petit sens de très tourné. Oui, Abissé Gazeda est toujours jeune, est très jeune, il est dans coursier en Afrique du Sud, lui aussi il est dans sa la flamme là, il ne faut pas qu'on se bat pas pour empêcher, un jour s'il a envie retourner. Hein. Ben oui, espérons que qu'il a venu nous dira, oui, retournons sur la course de Ménélos, Patrice, votre favori. Favori la dernière fois, le symbole de départ avec un cheval cross devant lui, il perdit tout ce sens au départ, malgré ça, il saute second de la figure nocturne. Mais le cheval est très très bien. Et il sera difficile pour moi, pour, si jamais tout se passe bien pour lui, avec ce troisième couloir, il est devant. Très difficile à battre, il y a les Dux Domaine. Et pour une place dans cette course-là, on parle pour le numéro 2, Flavor Escape. Dans cette épreuve, le numéro 1, Dux Domaine, est coté à 350 roupies. Flavor Escape, 600. Mais le grand favori à 170 roupies. 1100 roupies, Tangus Rock, Ravishing Rambo. Est coté à 5000 roupies. La cinquième course, une épreuve qui va se disputer sur 1365 mètres. Seulement 4 partants au départ de cette épreuve. Prince of Venice, Massimo, Hastings et Chapter Endless. Patrice, peut-être nous commencer avec vous cette fois-ci. Massimo ici comme favori. Prince of Venice, sa doublure de l'écurie Samraj Mahadia. À cause de ces deux-là, peut-être. Est-ce qu'il est coussin ou galopé? C'est ça ma question qui plusieurs internautes me posent en ce moment. Me posent en ce moment. Ouais. Surtout que nous t'en disons que. Il y a plusieurs rumeurs. Plusieurs sur rumeurs. Sur le net concernant. Plusieurs choses. Plusieurs choses. Notamment arrestation de l'entraîneur Yacine Mamdi, nous l'a déjà dit. Et. Il s'est confirmé même à 100%. Et il y a aussi une rumeur qui, comme quoi, si c'est le cas, possiblement pour une retraite tout souvent sur vous, sur un coursier. Demain. Ouais, et raison pour laquelle on pensait Santos Chipé de Manu, combien de cheval nous besoin pour une course tenir. C'est ça, donc ça c'est un quand même douceur, c'est ouais, un grand cheval, si vous pouvez tenir les courses là. Voilà. Maintenant, à quel moment vous faites retrait là, vous faites après 11h? Ouais. Pas le pénal qui fait là, les courses galopées. Bien sûr. Pour moi, Massimo, Marie qui vient de leader, avec son premier couloir, il a les cartes en main. Et son plus grand danger pour moi sera bien sûr s'il galopait Chapter Inverse. Chapter Inverse, ce deuxième couloir. Et donc, un course paraît assez simple. Hein. Massimo est devant et. Attention, Prince of Venice qui a le devant. Attention, Prince of Venice a le devant. Oui, la doublure. La doublure qui a le devant, peut-être. Peut-être, retirer 4 kilos. Massimo, un petit peu toujours heavy. Pardonnez. Un peu toujours heavy. Pardonnez. Prince of Venice qui ne prouve non ni la dernière. Il n'y a pas de gagner les courses. Second, d'ailleurs, il y a payé sur Mind, Patrice. Oui, mais il n'y a pas de gagner les courses. Une course courue, 1,36, 12, 1600 mètres. Mais d'accord, écoute, troisième derrière d'une pelle. Yes. Et donc, on verra demain. Même Massimo n'y a pas de gagner les courses l'année dernière. Oui. Bon, voilà pour Prince of Venice. Et sur remise. D'ailleurs, il m'a mis Chapter Inverse et son bon finish. Et Massimo, qui peut tousser le devant. Même au niveau de la cote, c'est assez serré entre les deux pensionnaires de l'écurie Mahadia. Le numéro 1, Prince of Venice, est coté à 200 roupies, 190 roupies. Le favori est le 2, Massimo, Hastings 3000, Chapter Inverse 700 roupies. La 7ème course maintenant, la 7ème course sur 990 mètres, rating 0,26. 5 chevaux au départ, Neville MU de l'écurie Mahadia. October Sun, c'est un nouveau de l'écurie Dominique Zaki. Un autre nouveau, PTK, de l'écurie Amar Siudial. Rain Must Fall, de l'écurie Nawaz Rawat. Et le numéro 5, VV Power, de l'écurie Yannick Perdreau. Patrice, 3 nouveaux dans cette épreuve, contre Neville MU de l'écurie Mahadia, encore une fois. Au niveau de la cote d'Amo Begetli, c'est un nouveau October Sun qui est favori, mais pas grand favori, donc c'est un écho qui paraît assez ouvert, même avec 5 portants. Les courses qui sont bien ouvertes, et surtout quand on regarde la côte ouverture de Green Must Fall, qu'est-ce que la côte ouverture, combien tu étais? Et maintenant il est. C'est 700 quelque chose, 750, tu tiens la place. Et maintenant il est coté à 400 roupies. Ouais. Il y a beaucoup de jeux sur Green Must Fall. Il fait bien attention à ce coup-ci-là. Et. Donc pour moi, je ne parle pas de victoire, je fais confiance à l'expérience de Great Must Fall. En deuxième position, vous mettez PTK, qui est l'impressionnement à l'entraînement. Qui n'a pas débuté comme ce compagnon, peut-être. Peut-être, avec son premier couloir, qui avait débuté avec son compagnon. Mais seulement, on va trouver qu'il tient bien Medvinkers, il décide pas de Medvinkers cette fois-ci. Ça casse le compte-là. Et en troisième position, vous pourrez pour Neville Agnew. Santosh.
excuse-moi. Neville Lemieux, il reste très performant sur 990 mètres en 2023. Un coursier qui gagne deux victoires sur 990 mètres. Car suivre, car accélérer. Il peut être en remise, c'est-à-dire pendant 58 kilos. Il peut venir dans 0,26, que tu as l'aise, il peut être sa chance. Le nouveau Vivi Power, paraît qu'il a fait bien, mais basement, le bas être à elle. C'est un coursier qui a fait bien, tout comme October Sun. Qui est le favori de cette course. Qui a été infiltré, qui a été soigneusement entraîné en petit gamin. Une place dans le tiers, c'est pour Rain Must Roll. October Sun favori de cette course, mais ouais. Pourtant c'est un jeune cheval qui galope seulement en trois occasions en Afrique du Sud pour ses débuts. Un jeune ou toujours ben, infiltré, le premier saut au tiers. C'est... Un jeune qui a un problème. Ouais, ouais. Parce que quand même ce ouais. Sud africain laisse un peu... Ouais, à désirer. Quand même un peu confuse parce ouais. Qu'il est bien débuté avec une bonne deuxième bien, place. C'est un global de l'or. C'était un certain global de l'or, mais par la suite, sur deux prochaines sorties, 8e à 10 longueurs, 10e à 10 longueurs. Donc, quel visage October Sun pour démontrer nous pour ses débuts au Champ de Mars demain, on va voir demain. En tout cas, il est le favori de cette épreuve. Neville MU est coté à 340 roupies, 280 October Sun, 450 PTK, Rain Must Fall 420 et Vivi Power est coté à 700 roupies. La 8e et dernière course de cette deuxième journée, 1400 mètres, 0,25. Le numéro 1, Lead Drummer, le 2, Béni des Dieux, le 3, Viking Trail, le 4, Golden Stown, le 5, The Jazz Singer, le 6, Master of All I Survey, et le 7, Hudson River Santosh. Un écho, c'est un casse-tête pour terminer la journée. Si Golden Stown aussi gagne soft lead, il est très très dangereux, il calme bien bien loin. Et d'un coup aussi, qui vous termine très bien en ligne droite dans les 300 derniers mètres, c'est The Jazz Singer, entraîné soigneusement par Dario Bassett à petit gamin. Il donne un coup de main à Charmer Chan. Il va trop coucher là, petit gamin, le Jazz Singer. Mais il a un long travail, il a un bon travail, il est fit. Mais dans l'eau pareil, dans 0,25, c'est un coucher qui va bien faire, pas oublier. En 2022, il a 36. Il saute secondaire Times New Roman, secondaire Cloud Seeder, secondaire Traveling Man, secondaire One Day Odie One. Donc là, il donne 0,25, attention à lui. Et pour compléter le TSC, pourquoi pas? Et Viking Trail, qui pour mise au sommet finish, pour compléter le quartet, Master of All I Survey. Qui change d'écurie, qui prend une Ramsamy qui connaît bien et qui me pensait qu'a fait bien avec sa deuxième ligne. Là. Ce coating pas extra, il est toujours un petit PTN, mais il a lutte plus une place dans le top 4. La course de référence, Patrice, de Master of All I Survey, sortie du premier couloir, la Kazakh de Vishal Ramana. Là, ils poursuivent dans le dos du leader et c'est le choix de Santosh. Ouais, il a une chance pour faire bien. Mais... Là, il gagne un bon couloir, ce jockey bien placé, il prend l'option intérieure en ligne droite, bien accompagné, il répond. Et c'est là, le coucher de l'écurie Pravin Nagadu qui s'est montré menaçant à un moment, plus par la suite, il plonge. L'autre coucher qui était une faux à l'intérieur, c'est qui Viking Trail, Patrice à l'intérieur. French Rebel. French Rebel, et qui n'est pas de mauvais coucher. Mais moi, ça va au live service, prouver qu'il grandit bien, il grave bien. Si ce matin, quand on dit ce coating, laisse-moi un petit peu. Sur votre fin. Exact. ne pas hésiter pour partager. Bien sûr. Patrice, c'est un écrousse qui est quand même assez ouvert pour clôturer sa journée là. Quel cheval vous faites au favori? Moi, on parle pour une victoire peut-être de Golden Town. Là, si vous êtes galopé. Avec Viking Trail, tu as beaucoup de chance moi quand arriver jusqu'à demain. Ouais. Vous avez donné un pronostic, tu veux dire Golden Town, Viking Trail. Mais peut-être demain, de nez, vous changez. Et troisième, Béni des Dieux. En attendant, mais trois coussins, hein, ouais. Golden Sound, Viking Trail, Béni des Dieux. Dès la dent de Yersin Mamdi, peut-être tous les deux vont galoper demain. Mais Golden Sound, comme Sanders dit, c'est le gain soft lead, très difficile à battre. Viking Trail, depuis une ville maurice, il peut descendre catégorie, il arrive dans une catégorie moque pensée, il n'arrive plus à gagner des courses. Il n'est pas loin de remporter une course. Et Béni des Dieux, c'est vrai qui me content, qui me pensait, troisième couloir, fraîche, il peut faire bien. Eh bien oui, la dernière course donc, l'indication d'un cut avec Lee Drummer qui cotait à 750 roupies, 450 Béni des Dieux, 500 Viking Trail, 350 Golden Stand, The Jazz Singer, 470, 650 Hudson River, 650 Master of All I Survey, Hudson River, gros outsider à 5000 roupies. Voilà messieurs, nous finissons le tour de la corde pour cette deuxième journée. Top wins et outsider pour demain, Santosh. Un petit peu sur la retenue. Ouais. Aditi, Menelos. C'est une value bet, trip to the sky. Attends, on voit. Pour demain, ouais. Qui va se passer. Le nouveau Sassari comme un bon place chance. Moi, je pensais Christmas Ice Cream aussi, un bon winning chance. Patrice.
Menelus, Christmas Ice Cream comme top wins. Wins. Comme value bet, il tient 700 roupies dans 450. Rain must fall. Et comme outsider, largement, voilà la wassala. Parce qu'ils vont bien content sur ce nom. Trial. Non, ce nom aussi. Oui, ce nom, oui. Oui, Masala. Eh ben oui, attends de voir pour les débuts de Walala Wassala demain dans la deuxième course. Restez branchés sur les plateformes du Défi Média Group. Comment ça ne touche Patrice Findier durant l'émission. Peut-être pour une bonne nouvelle très importante durant la soirée ou même durant la matinée de demain avant le début de la journée ou durant la journée. Nous pourrons jeter en live, moi et Patrice, pour suivre en direct les 8 courses demain à partir de midi 15. Merci Santosh, merci Patrice et merci à Virage et à Choubam également pour la technique. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission de Teuf Plus.